et ton guerre. C'est juste un rappel. Rappel, il y a mission, il y a FRDC, la PLC. Mission, il y a FRDC, parce que dans l'appel, vous réveillez bien, c'est protéger l'intégrité territoriale. Il y a mon carabisson, même pas un mètre carré, et vous dites qu'aucun d'eux. Il paye mon souci, et cela jusqu'au sacrifice suprême, pour protéger la population civile. La ville qu'on a abandonné, depuis la combattre là, on va décider de faire dans la mort de la vie, dans le monde de la Congo et l'oubliant. Pour la police, c'est assurer la sécurité de la population et mettre en application MRP, qui est le maintien de rétablissement et l'ordre public, raison pour laquelle police de la proximité, police OESA, Pembeni ya population, et dans la carte ya population, besoin lien, besoin fonda ensemble dans la population, vous avez la mission de protéger la population au Rwanda. Et vous verrez que, et à l'armée, et à la police nationale congolaise, nous avons presque la même mission. Parce que nous avons la même mission, nous devons aussi avoir la même devise. Parce qu'il s'agit, il y a mission, et Sengali peut s'interroger. Est-ce que Ndenge Tezali, Ezala Mampinga, il y a FRDC, Ezala police nationale congolaise, est-ce que tout ça est là, la Bossolo et Malamu, et Tali, mission la Bissot, il y a aussi l'ennemi, l'Ibosso Nangai. N'abandé Konangai, Opandissi Malangai. Est-ce que tout ont mis en application à 100% mission la Bissot? Et dans la FRDC, et dans la PNC, il y a une réponse. Mais la réponse, c'est aligné la mission la mission. On ne peut jamais constater le contraire. Il y a une mission en yo. On prête serment, on l'a tenu, aucun des rencontres, il y a une mission au yo. Jamais. Et c'est un petit la mission la mission. Et on rappelle le temps pour Boye Biango. Notre pays est en guerre, une guerre injuste, une guerre nous imposée. Et Sengeli Bisso Mapiga, c'est dans la posture, la bitumba. Et non pas dans la posture, il y a distraction. Et dans la soja, et dans la policier. Et Sengeli, Boyeba et Loko Moko. Nous sommes en guerre, posture la Bisso et Sengeli et dans la posture, la bitumba. Posture, la bitumba, cela veut dire quoi? Nayo Ozana garnison, c'est bien protéger cette population. Neko Nayo Oyo, civil, Oyo, Aza, Namakastiche, Akosala armée, Yo Ozana mission, Yako protéger. Et non pas, Yako malmené, pour rendre vie difficile, pas civil. Non. Raison pour laquelle, pas conduire ma pignole et la police nationale, c'est une instruction ferme. Il y a commandant suprême, vous devez sanctionner sévèrement les alliés militaires, policiers, et à Salimbe, ceux qui civils à Salimabe, Batunyan Sobayevi qui a Salimabe, Kangaye, et Sengeli à répondre à Oyo à Salim. Mais pour créer infraction, c'est pour créer infraction, c'est. Ce sont nos frères et sœurs, Oyo Sengeli, vite pour te protéger. Et est-ce que tu veux faire une fois et on arrive au sort? Les villes chinoises de Pékin et de Shanghai ont accueilli du 5 au 12 mai 2024 les auditeurs de la 9e session ordinaire du Collège des hautes études et des stratégies. Et des défenses en voyage d'études. À Beijing, la délégation a visité l'Université des défenses, le Collège des formations de la police spéciale de la police de l'armée, l'Institut international des études stratégiques, la société Norinco, la société Polytechnologie et les sites historiques, notamment la Grande Muraille, le musée de l'armée, les palais d'été,
le temple du ciel et la cité interdite. À l'Université nationale de la Défense, le général-major Moubia Imamba Augustin, directeur général du Tchèze et chef de la délégation, a dispensé le cours sur la géopolitique et les conflits en Afrique avec comme focus la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. En guise de conclusion, au regard de cette description géopolitique et géostratégique de la situation en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, il se présente deux pôles. Le pôle USA-UE et la Russie d'une part et le pôle la Chine et BRICS de l'autre. Ces deux pôles se distinguent par leur politique. Le premier usant de hard power ou l'amour du pouvoir car le pouvoir prend et domine, tandis que le deuxième est celui de soft power qui est le pouvoir de l'amour car l'amour donne, partage. Ainsi, nous pensons que la RDC a tout intérêt à se ranger du côté de la Chine afin de partager les stratégies de développement. Car, comme la Chine, un Congo debout, c'est l'Afrique qui se lève et bouge comme la Chine bouge le monde. Je vous remercie. À l'Institut international des études stratégiques, les auditeurs de Tièzde ont été conviés aux travaux d'un think tank organisé par les chercheurs de cette institution. Arrivé à Shanghai, la délégation a visité la base navale et les centres financiers de cette grande ville. Par ailleurs, cette visite en Chine est l'aboutissement de la diplomatie agissante du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait fait le déplacement de Pékin au mois de mai 2023 pour réchauffer les coopérations et relations bilatérales entre Kinshasa et Pékin. Outre les auditeurs de la 9e session ordinaire et les directeurs généraux, quelques cadres du Tièzde ont fait partie de cette visite d'études. Parmi les auditeurs, 27 sont de la République démocratique du Congo, 3 de la République du Congo, 3 de la République centrafricaine, 3 de la République du Burundi et 1 de la République du Gabon. En prévision du lancement de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale, qui sera basée à Brazzaville, le Corps pour la protection des parcs nationaux, unité en charge de la sécurisation de la biodiversité et dépendant du ministère des Défenses, son commandant, le général-major Massi Bamba Albert, a échangé le mardi 14 mai 2024 avec une délégation du ministère des Armées françaises conduite par l'attaché des Défenses, venu pour évaluer les besoins et en apprendre plus sur le travail déjà abattu par le corps PPN dans la lutte contre les crimes environnementaux dans le pays. Donc nous sommes présents ici de l'ambassade de France, en tant qu'attaché de défense, accompagné du lieutenant-colonel Miclot. La France, en coordination avec le Congo Brazzaville, va monter, nous appelons col national à vocation régionale, pour lutter contre la criminalité environnementale. Et à ce titre, la RDC, d'abord proche voisin état le plus important par sa dimension géographique de l'Afrique centrale, sera un des contributeurs, du moins je l'espère, à cette école, pour le but est de former du personnel à tout ce qui est lutte contre la criminalité environnementale. Donc, dans ce but, nous sommes venus visiter le corps PPN pour mieux comprendre ce qu'est le corps PPN et comment il s'inscrit justement dans tout ce qui est environnement et lutte contre la criminalité, notamment au sein des corps nationaux de la RDC. C'était un premier échange, une première prise de contact qui a été extrêmement fructueuse, d'abord pour mieux se connaître, pour mieux comprendre les enjeux, les défis et les besoins que nous avons partagés au cours d'une réunion très productive. Après des échanges fructueux, le général Massi fait découvrir à ses hôtes les bâtiments administratifs du corps PPN en construction et les jardins zoologiques qui fait face à la criminalité faunique. Ce premier contact aura permis à la délégation française de mieux comprendre les missions du corps PPN dans l'optique de les mettre en contribution pour l'ouverture prochaine de l'école régionale de lutte contre la criminalité environnementale. Je pense qu'avant toute chose, nous devons placer cette notion de trahison dans son contexte. Et l'infraction de trahison, c'est une infraction qui fait partie des catégories des infractions qui touchent les atteintes contre les intérêts fondamentaux de la nation.
Les intérêts fondamentaux de la nation, ce sont des intérêts liés à son indépendance, à son intégrité, à l'intégrité du territoire national, à la sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population, même à l'étranger, etc., etc. Donc, l'infraction de trahison, c'est une infraction qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. D'où la rigueur que le législateur a placée dans la répression de cette infraction, parce que c'est une infraction qui touche le cœur de la nation. Alors, l'infraction de trahison, c'est une infraction prévue dans le Code pénal militaire, à son article 127 et 128, oui, 127 et 128. La loi elle-même définit cette infraction. C'est la loi elle-même, notamment l'article 128, qui définit cette infraction de trahison et donne des faits qui rentrent dans cette qualification de la trahison. Bon, mais avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur, nous devons nous poser la question de savoir, devant les juridictions militaires, est-ce qu'un civil peut être aussi poursuivi? Quelles sont les personnes susceptibles d'être poursuivies devant les juridictions militaires pour trahison? Ici, au terme de l'article 128 du Code pénal militaire, la loi stipule que tout Congolais qui se rend coupable de trahison est puni de mort. Donc par les termes tout Congolais, on entend les militaires, les policiers, les civils et toute personne de nationalité congolaise. Parce que l'infraction de trahison est une infraction qui ne concerne que des Congolais. Je venais de dire que la loi elle-même définit ce qu'il faut entendre par la trahison. Globalement, la trahison, c'est une connivence avec l'ennemi. Parce que c'est une infraction qui se commet en temps de guerre et cette infraction se résume en connivence avec l'ennemi. Et la loi elle-même, l'article 188, énumère des faits susceptibles d'être qualifiés de trahison. D'abord, c'est le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées congolaises, soit tout ou partie du territoire national. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un livre à une puissance étrangère ou à une puissance qui dépend d'une puissance étrangère, à une organisation qui dépend d'une puissance étrangère, et je pense que, par exemple, le M23, c'est une organisation qui dépend d'une puissance étrangère que le Rwanda. Et le fait de livrer à cette puissance une partie des forces armées, donc vous prenez des militaires, vous les amenez chez le M23, par exemple, ou vous cédez une partie du territoire à cette puissance étrangère, ou à cette organisation qui est sous contrôle étranger, à ce moment, vous commettez l'infraction de trahison. Deuxièmement, c'est le fait de livrer les matériels des forces armées, les constructions, les équipements, les installations de l'armée, vous les livrez soit à une puissance étrangère, soit à cette organisation qui dépend d'une puissance étrangère. Là, vous commettez la trahison. Troisièmement, c'est le fait d'entretenir une intelligence avec une puissance étrangère. C'est-à-dire, le fait de prendre, par exemple, les données de notre armée et de les fournir à une puissance étrangère ou à une organisation qui dépend de cette puissance étrangère. Le fait, par exemple, de dire, voilà, nos troupes avancent vers tel coin, nos troupes sont en train de faire... Donc, le fait d'entretenir cette intelligence avec une puissance étrangère, cela constitue aussi, cette infraction de trahison. La trahison est clairement définie. Les détournements, c'est différent, c'est une autre infraction prévue aussi et punie par le Code pénal livre 2 et aussi même par le Code pénal militaire, l'article 74 du Code pénal militaire. Donc ça n'a rien à voir avec la trahison. Les mobiles, chacun a ses mobiles.
Il y en a peut-être qui ont eu des rapports étroits avec certaines puissances étrangères et ils veulent sauvegarder, ils sauvegardent ces rapports et facilement ils sont contactés avec des promesses ou avec peut-être un financement d'une manière ou d'une autre pour pouvoir commettre de tels actes. Et souvent, je pense qu'ils sont rémunérés. Donc on ne peut pas directement savoir, un X peut poser cet acte peut-être pour avoir de l'argent, l'autre pose cet acte parce qu'il a des affinités ethniques, hein, ethniques ou linguistiques avec ses puissances étrangères, ou en tout cas il y a beaucoup de mobiles. Mais comme vous savez, en droit, le mobile est inopérant. L'espionnage est prévu par l'article 129 du Code pénal militaire. Et l'espionnage, c'est une infraction qui concerne les étrangers. C'est-à-dire lorsqu'un ressortissant étranger dans notre pays se livre à des activités que j'ai énumérées pour la trahison, il commet l'espionnage. Ce sont les mêmes faits, mais lorsque un étranger les commet, c'est l'espionnage. Mais si c'est un sujet congolais, c'est la trahison. Pour moi, en tout cas, la levée de ces moratoires est nécessaire par ce temps pour pouvoir ramener la discipline. Ramener la discipline auprès de nos hommes qui sont au front. Parce que sans cela, vraiment, ça serait... vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut accepter d'aller au front, de se livrer devant l'ennemi. Donc, il faut avoir une conscience et il faut mettre de côté certaines considérations personnelles. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de cas et notre armée ne s'est pas vraiment évoluée au front à cause de ce genre de comportement de nos hommes. C'est peut-être et aussi, non seulement des militaires, mais aussi certains civils qui se livrent, par exemple, à financer ces organisations qualifiées de terroristes par le gouvernement. Peut-être aussi le fait qu'on a remarqué effectivement qu'il y a chevauchement des renseignements, que nos positions, lieu de nos matériels, tout ça c'est toujours connu, transmis à nos ennemis. Un militaire n'a pas le droit de se poser cette question, de dire voilà, je suis mal payé, je mange très mal, je fais ceci. Un militaire n'a pas... Pas parce que nous le voyons payer. Ça, ce sont nos ennemis qui sont en train de nous faire cette guerre. Ça, c'est une autre forme de guerre aussi, psychologique. Vous voyez, ce sont des guerres psychologiques. Ces gens, ils nous font cette guerre-là pour démoraliser effectivement notre armée. Un militaire ne peut jamais se permettre... Moi, personnellement, lorsque je vois cela, ça m'écœure. Ça m'écœure que de voir un militaire en train de revendiquer sur les réseaux sociaux, de parler. Non, ça c'est inimaginable. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans cette armée. On n'a jamais vu ça. Et nous, au niveau de la justice, nous devons décourager ce genre de comportement. Parce qu'un militaire, lorsqu'il a des revendications, il sait à qui s'adresser. Il a son commandant, et puis jusque, il ne peut en aucune façon faire de telles réclamations. Ça, c'est vraiment intolérable dans l'armée. Nous, on est des militaires. Nous, on ne va pas au-delà de ce que nos chefs nous disent. Vous voyez, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est d'exécuter. Koto sa sika sika, oh, zong sa mon côté. Et c'est ça qui soutient l'armée. L'armée ne peut pas réfléchir comme des politiciens. Nous, on réfléchit en tant que militaire. Nous, en tant que magistrats, nous appliquons strictement la loi. Lorsque un militaire se permet de poser des actes qui rentrent dans la trahison, on les poursuit et nous, ministère public, nous les présentons devant les juges et nous requérons la peine de mort. Lorsque on lève ce moratoire sur la peine de mort, le moratoire sur la peine de mort, c'est quoi? C'est que on ne va pas exécuter la peine de mort. Ça, c'est le moratoire. C'est-à-dire que lorsqu'on vous condamne à la peine de mort, on ne vous exécute pas. Mais lorsque ce moratoire est levé, si on vous condamne à la peine de mort, vous avez le droit de faire votre recours, le recours en grâce devant le chef de l'État. Okay. Vous lui demandez de vous pardonner, tout ça. Et si le chef de l'État ne vous accorde pas, nous, on vous exécute. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser traîner en prison, on va vous exécuter. Parce que si vous êtes condamné, si le juge vous condamne à la peine capitale, on va vous exécuter si votre recours en grâce est rejeté par le président de la République.
Bon, ce que nous pouvons retenir de la levée de moratoire sur la peine de mort, c'est que les gens doivent mieux se tenir maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leur vie en jeu en posant des actes de trahison ou les actes d'espionnage ou toute atteinte à la sûreté de l'État. Parce que s'ils sont condamnés à la peine de mort, leur vie va dépendre de la réponse que va donner le chef de l'État sur les recours en grâce. C'est ce que prévoit la loi. Et si le président de la République rejette leur demande en grâce, ils seront fusillés. Donc on va les placer devant un poteau et puis on va commander à un peloton d'exécution qui va ouvrir les feux sur eux pour qu'ils meurent. C'est ça, la peine de mort. Donc chaque militaire, chaque Congolais puisse réfléchir par deux fois avant de poser des actes qui rentrent dans cette qualification de trahison ou d'espionnage. Ce sont des actes assez graves, trop graves même, et qui mettent en péril nos institutions, l'intégrité de notre territoire, la survie même de notre population. Et là, on ne peut pas blaguer là-dessus. Donc moi, je ne suis pas de l'exécutif, je suis du pouvoir judiciaire, et je pense que cette décision, c'est une très bonne décision. Des infractions liées aux intérêts fondamentaux de la nation, que sont la trahison et l'espionnage, et d'autres infractions aussi. À part cela, il y a d'autres infractions prévues par le code pénal militaire qui sont concernées par cette levée de moratoire. Ces infractions sont des infractions gravissimes et nous, les magistrats, nous sommes aussi instruits pour pouvoir suivre la politique du gouvernement. Parce que nous devons appuyer, la justice doit appuyer le gouvernement, doit appuyer les efforts consentis par le président de la République et tout son gouvernement pour que nous puissions retrouver la paix. Parce qu'il ne peut pas avoir de demi-mesure. Il faut de la rigueur. Nous, les magistrats aussi, de notre côté, nous serons rigoureux dans le traitement des dossiers liés à ce genre d'infractions pour que, en tout cas, nous puissions ne plus que retrouver la paix. Parce que ce qui nous manque maintenant, c'est peut-être la discipline. Mon mot de la fin, c'est que nous, les magistrats, nous appliquons la loi et nous comptons sur les effets que produiront l'application de la loi, la levée du moratoire, pour ramener la discipline dans notre armée. Et cette discipline-là est vraiment nécessaire. Lorsque il n'y a pas de discipline dans l'armée, donc nous devons vraiment travailler pour ça et que dans notre armée, en tout cas maintenant, les gens sont formés, des gens qui peuvent vraiment redorer le blason de notre armée. Nous nous tenons à notre poste, comme le dit la Bible, on est fidèle à notre poste de magistrat pour faire notre part en tant que magistrat.